19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 27 octobre 2020. Cela dit, ouverture ce matin d'un atelier de formation à l'intention des partis politiques et candidats sur les modalités d'accès aux médias publics et privés en période électorale. Un atelier mis en œuvre par l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique. Asma Ousedou et Ibrahim Abdou pour le résumé de cette cérémonie. Cette rencontre regroupant les acteurs en communication des partis politiques et candidats pour les futures échéances électorales vise à les outiller sur les modalités d'accès aux médias publics et privés pendant la campagne électorale. L'initiative est celle du Conseil supérieur de la communication, appréciée à sa juste valeur par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. C'est le lieu de vous dire que la CENI, nous sommes à 80% du travail qui nous est dévolu. Inch'Allah, nous allons aux élections et nous sommes prêts, nous sommes tous assermentés, nous pensons que nous aurons des élections, Inch'Allah, crédibles, avec votre appui, les médias. Nos partenaires, les partis politiques, nous travaillons pour vous et nous pensons que vous allez nous aider accomplir convenablement notre tâche. Par conséquent, Monsieur le Président, nous ne faisons que saluer votre initiative à l'endroit des partis politiques pour lesquels nous travaillons. Nous vous remercions et excusez-nous de notre temps parce que nous sommes à un stade où nous ne pouvons plus rien vous cacher. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme électoral, le Conseil supérieur de la communication CSC a mis en place un groupe de travail qui a élaboré des projets de texte réglementant l'accès des partis politiques, a rappelé le président du Conseil supérieur de la communication dans son discours d'ouverture. Ce groupe de travail a procédé à une révision des textes ayant servi de base à l'accès des partis politiques et candidats aux médias au cours des élections générales 2015-2016, en prenant en compte les insuffisances relevées dans l'encadrement juridique et institutionnel qui régit notre domaine de compétences. Des recommandations pertinentes ont été faites pour améliorer le cadre législatif pour le renforcement de la démocratie et de l'état de droit. Au total, 8 projets de texte régissant l'accès des candidats, partis politiques et groupements de partis politiques aux médias publics et privés en période électorale ont été élaborés. Conformément à la démarche inclusive qui a toujours été la nôtre, nous avions soumis ces projets de texte aux responsables des médias publics et privés, ainsi qu'aux partis politiques rencontrés respectivement le 11 septembre et le 16 septembre 2020 en vue de recueillir leurs observations et avis. L'objectif visé par le CSC dans cette démarche étant de contribuer à l'organisation d'élections libres, honnêtes et transparentes à travers une régulation équitable et indépendante des médias en période électorale dans un climat politique et social apaisé. Notons que cet atelier de formation des partis politiques et candidats est mis en œuvre par EISA, l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique. Ouverture également ce matin à Africa Hall d'un atelier de réflexion pour la mise en œuvre des outils de planification urbaine dans les collectivités territoriales partenaires du pacte. Un atelier organisé par l'ONG Laboratoire Citoyenneté et financé par la coopération suisse. Le compte-rendu, c'est avec Ariette Sala sur les images de Alidou Bourema. Les maires, les délégués spéciaux des communes de Dosso et Maradi et les cadres du ministère de l'Urbanisme se sont réunis à Niamey pour réfléchir sur comment mettre en œuvre les outils de planification urbaine dans les communes partenaires du programme d'appui aux collectivités territoriales PACTE, une initiative émanant de l'ONG Laboratoire Citoyenneté et financée par la coopération suisse. À la demande du ministère de l'Urbanisme et du Logement, la coopération suisse a accédé à une demande gouvernementale de réaliser une première série de purs et de d'eau dans les régions de Maradi et de Dosso, dans les collectivités territoriales
champ d'intervention de la coopération suisse. Fort heureusement, ces résultats ont été accueillis avec beaucoup d'intérêt. Le ministère, très promptement, les a fait étudier, analyser et il s'en est suivi des décrets dans l'optique de généraliser ces purs et ces eaux dans toutes les communes. Et on sait très bien que le foncier, bâti ou non bâti, le foncier urbain est la base de tout développement local. Cet atelier se veut celui d'un développement urbain durable face au défi d'une croissance vertigineuse des villes nigériennes, a laissé entendre le directeur du cabinet du ministre des domaines de l'urbanisme et du logement dans son discours d'ouverture. Il faut bien l'admettre, au Niger, tous nos centres urbains, à commencer par la capitale Niamey, sont horizontaux et se sont développés ces dernières années par des lotissements successifs sans viabilisation et souvent en absence de documents de planification urbaine, gage d'un développement harmonieux. Nos villes se sont ainsi étalées avec comme conséquence des problèmes énormes de mobilité, d'accès aux services et d'équipements sociaux, de renchérissement des prix de transport et surtout pour les quartiers périphériques. Je pense qu'il vous souviendra bien que le 27 juin 2017, en application de ces textes, nous avions lancé avec nombreux parmi vous à Maradi le processus d'élaboration de 13 outils de planification urbaine, en l'occurrence les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme de Dosso et de Maradi et les plans urbains de référence de Gaya, Djunju, Gazawa, Meyaï, Tessawa, Agié, Madarumfa, Guidarumju, Dakoro, Bermo et Tibiri Gobir, tous financés par le programme d'appui aux collectivités territoriales. Au cours de cette journée, des recommandations et résolutions de qualité seront à dégager des réflexions eu égard à la diversité des participants à cet atelier. Ouverture ce matin à l'hôtel Bravia de Niamey de l'atelier national conjoint de validation des données des principaux axes de la réponse humanitaire et du plan de réponse pour les réfugiés pour l'année 2020-2021. Ali Cissé Ibrahim et Sadou Doumi. Cet atelier national de validation des données et des principaux axes de la réponse humanitaire et du plan de réponse pour les réfugiés pour 2021 est conjointement organisé par le gouvernement du Niger, les Nations Unies et les partenaires humanitaires. Après le souhait de bienvenue adressé aux participants par le directeur de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, Dieudonné Bamouni, ce fut au tour de la représentante du HCR au Niger, Alessandra Moreni, de prendre la parole pour rappeler la dynamique qui oriente les actions du HCR. Nous travaillons pour construire une politique des visages, une politique de solutions pour que les gens qui sont forcés de fuir le conflit et la violence trouvent dans le Niger, dans l'espace du peuple et cœur du Niger, le souffle de vie. J'appelle toujours ça la possibilité, avec notre atelier qui est le lieu de la créativité, de trouver le mécanisme de fournir et d'apporter un massage cardiaque. Le massage cardiaque qui fait reprendre l'espoir de la vie. Intervenant par la suite, la coordinatrice humanitaire Kardiatullo India détermine le but visé par l'atelier. L'exercice qui nous réunit au cours de ces deux journées de travaux consiste en l'élaboration d'un document d'évaluation des besoins humanitaires, d'un plan de réponse humanitaire et d'un plan de réponse des réfugiés bâti sur les données collectées par les clusters et les différents groupes de travail au niveau national et régional. Pour aborder efficacement cet exercice, nous devons mettre au centre de nos priorités la prévention, la préparation et la gestion des crises en situation d'urgence
qui devraient être considérés comme des éléments essentiels dans les interventions humanitaires. Procédant à l'ouverture de l'atelier, le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, Laure Magagi, n'a pas manqué de relever les besoins humanitaires de notre pays. Ces dernières années, les besoins humanitaires dans notre pays n'ont cessé de s'accroître. Du fait des conséquences liées à la dégradation de la situation humanitaire, avec en toile de fond la persistance de l'insécurité dans la zone des trois frontières, comprenant la région de Tillabéri et l'ouest de la région de Tawa, en lien avec nos frontières avec le Mali et le Burkina Faso, mais également dans le bassin du lac Tchad et la frontière sud-ouest de la région de Maradi avec le Nigeria. À ces cas de vulnérabilité viennent se greffer, malheureusement, les crises liées à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, aux inondations et aux épidémies aggravées cette année par la pandémie à COVID-19. Enfin, le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes a exhorté les participants à l'atelier à faire preuve d'objectivisme et de réalisme dans la conduite de leurs travaux. Cérémonie de présentation du salon Miyazad Expo 2020, un salon au profit des opérateurs économiques qui va se tenir du 18 au 21 novembre à Istanbul et est organisé par l'Association des industriels et des hommes d'affaires de la Turquie. Nafissatou Yahya, Aboubakar Souley. Informer et mobiliser les opérateurs économiques nigériens pour une pleine participation au Salon Moussed Expo 2020, tel est l'objectif de cette rencontre qui a vu la participation de tous les acteurs concernés, notamment l'ambassadeur de la République turque au Niger, pays qui va abriter la 18e édition de ce grand événement. En tant que structure de renom dans le monde des affaires qui a fait ses preuves sous d'autres cieux, Musiat apportera assurément plus de sens de l'orientation dans les affaires économiques turco-nigériennes en creusant nos échanges commerciaux dans divers secteurs, en créant des emplois. En bref, Musiat renforcera le tissu économique local par ses investissements. Le volume de commerce bilatéral entre la Turquie et le Niger a augmenté de 30,3% en 2019 par rapport à l'année précédente. En dépit de l'impact négatif de la pandémie de COVID-19 sur nos relations économiques et commerciales bilatérales, cependant, cette pandémie a offert, heureusement, d'autres nouvelles opportunités d'échange. Avec l'ouverture des aéroports de Niger, Turkish Airlines a repris de plus belle ses 4 vols hebdomadaires Istanbul-Niamey. À ce salon qui offre plein d'opportunités aux opérateurs économiques, le Niger n'est pas à sa première participation. En effet, lors des précédentes éditions, on notait la participation de plus d'une cinquantaine d'opérateurs économiques de tous les secteurs d'activité, ce qui leur a permis de créer non seulement des relations d'affaires, mais aussi et surtout d'intensifier les liens de fraternité et d'amitié entre nos deux peuples. À ce jour, la Chambre de commerce et d'industrie du Niger a déjà mobilisé ou a eu d'intention d'inscription de plus de 74 entreprises déjà inscrites en tout cas ou qui ont l'intention de s'inscrire pour la participation. Ce qui témoigne de l'engouement que cette manifestation suscite de la part de nos opérateurs économiques. Elle offre donc l'opportunité de faire participer massivement nos opérateurs économiques afin qu'ils puissent nouer des partenariats d'affaires avec leurs homologues turcs, mais aussi qu'ils puissent par la même occasion promouvoir nos talents et nos opportunités d'investissement. Cette 18e édition du Salon Moussiat Expo 2020, comme vous le savez, se tient dans un contexte international de crise sanitaire liée à la COVID-19. Elle se veut donc une démonstration de notre capacité à faire face à ces défis à travers un renforcement de notre partenariat commercial et économique
dans divers secteurs, notamment l'agroalimentaire, l'élevage, les industries, l'énergie et les technologies de l'information. Nous l'espérons de tout cœur que ces salons soient de ceux qui vont permettre à nos opérateurs économiques fortement impactés par les mesures restrictives liées à la COVID-19 d'enclencher un processus de reprise de leurs activités. À noter que la 18e édition du Salon Moussed Expo 2020 se tiendra du 18 au 21 novembre 2020 à Istanbul et est organisée par l'Association des industriels et des hommes d'affaires de la Turquie. Conférence de presse ce matin à l'hôtel Radisson Blu, organisée par Canal Plus Niger. Elle rentre dans le cadre de la première session de Canal Plus University. Nafissa Touzakou, chez Bougisso. Organisée par Canal Plus Niger avec l'appui du ministère de la Renaissance culturelle, cette conférence de presse marque ainsi le lancement de la première session de Canal Plus University, un programme qui permet de donner des séances de formation sur plusieurs domaines. Ici au Niger, qu'on a décidé de commencer par vous, de commencer par les métiers de l'audiovisuel, parce que nous pensons qu'il y a une réelle opportunité avec les talents latents qui sont là et qu'il faut mettre en scène et permettre de pouvoir s'exprimer au plus haut niveau. Et c'est la raison pour laquelle nous avons opté, nous ici, de commencer par ça. Il y a d'autres pays qui ont fait d'autres choses, hein, qui ont commencé par des formations pour les journalistes, des formations pour d'autres métiers. Nous, on a pensé que les métiers de l'audiovisuel étaient un créneau, étaient un secteur sur lequel on pouvait s'investir et sur lequel on pense pouvoir obtenir des résultats très 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 rapidement. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui est ancré en nous d'aider les talents qui nous entourent à se développer. C'est pas quelque chose qu'on fait juste ici, c'est une politique globale. Mais nous sommes particulièrement contents au Niger de pouvoir commencer ce processus. Nous faisons actuellement partie des premiers pays qui démarrons les Canal Plus University. Et l'idée pour nous, c'est de vraiment pouvoir outiller ces jeunes, outiller ces professionnels en devenir de l'audiovisuel pour pouvoir affronter l'écosystème, d'accord, des médias de manière générale. Canal Plus University est un cadre d'échange et de partage d'expériences entre producteurs, réalisateurs et cinéastes a été salué et encouragé par le ministre de la Renaissance culturelle. Ce projet qui se concrétise aujourd'hui, j'en suis fier, portant sur le cinéma me paraît l'un des plus importants dans les perspectives et surtout dans le contexte actuel de la culture au Niger. Et j'avais sans hésiter dit au DG de Canal, au-delà de ce qu'on attend de vous, vous nous proposez autre chose. Autre chose, la formation, le renforcement des capacités et l'accompagnement des talents qui sont nombreux dans notre pays. Alors que nous, ce qu'on attendait de vous, c'était de nous créer des espaces avec votre chaîne qui est si prestigieuse, que ces jeunes qui produisent puissent accéder à ces espaces, que ces jeunes puissent se faire visibles, que ces jeunes puissent se faire découvrir par l'international, puisque vous en avez la capacité. Il y avait A+, il y a aussi Canal+, par elle-même. Et donc, pour nous, vous étiez venus nous offrir plus qu'on attendait de vous. Et que cette formation se concrétise avec 16 participants aujourd'hui, je voudrais vous dire que c'est extraordinaire pour le ministère. À noter que dans le cadre de cette première session de Canal Plus University, c'est 100 jeunes talentueux du cinéma et de l'audiovisuel qui seront formés par l'expert Toumani Sangaré, qui n'a d'ailleurs pas manqué d'apprécier les efforts de Canal Plus Niger dans le cadre de l'initiation à la réalisation et à la production des films.
Le président de la République, Issoufou Mamadou, rencontrera le 3 novembre prochain tous les représentants nationaux de la jeunesse. À cet effet, le ministre de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale était ce matin face à la presse pour faire le point de ces grands événements au profit de la jeunesse nigérienne, l'avenir de demain. Hamza Sakou et Ibrahim Abdou. Créer un cadre d'échange entre le président de la République et la jeunesse nigérienne est l'objectif de cette sortie médiatique du ministère de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale en collaboration avec d'autres structures. Ce cadre permettra à cette jeunesse d'être en face du président en lui posant directement des questions. C'est ce face à face qu'on aura entre le président de la République, son Excellence Issoufou Mamadou, chef de l'État, et les jeunes. Nous avons souhaité cet échange puisque, comme je l'ai dit, nous avons un président de la République qui a quand même un parcours atypique de l'histoire politique du Niger. Nous avons quelqu'un qui a fait montre d'une grande capacité de construire lui-même son leadership, une grande constance et une grande unanimité qu'il a su construire autour de lui, notamment sur le plan international. Il pourra venir dire aux jeunes, voilà comment j'ai fait pour être constant. Voilà comment j'ai fait pour ceci. Voilà ce que j'ai évité pour ne pas tomber dans les revers. Donc, c'est partager cette expérience de leader avec les jeunes qui nous paraît être le plus grand objectif de la grande rencontre citoyenne. Dénommée grande rencontre citoyenne, cette première édition verra la participation de 20 jeunes par région qui vont s'entretenir avec le président sur divers thèmes. C'est quoi concrètement qui va être fait? Nous avons une première phase qui va être constituée de panels. On a retenu 5 panels qui vont être organisés pratiquement à raison d'un jour par panel. Et ces panels-là, c'est d'abord le premier, investir de la jeunesse, gage d'une relève certaine et responsable. Le deuxième panel, c'est contribution de la jeunesse à la renaissance culturelle, les questions démographiques et environnementales, entre autres. Le troisième, c'est maintien des filles à l'école et autonomisation des femmes. Quatrième, défi sécuritaire et police de proximité. Et le cinquième panel, c'est dialogue intergénérationnel. Ensemble, construisons un meilleur avenir. Vous vous rendez compte qu'il s'agit de thématiques poignantes qui sont au cœur de nos actualités, qui sont au cœur des préoccupations de son Excellence le Président de la République et du Premier ministre chargé de conduire l'action gouvernementale. Le ministère de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale invite toutes les parties prenantes à un meilleur concours pour la réussite de cet événement inédit. Du 22 octobre au 30 décembre 2020, se tient une exposition photo au Musée national et au Centre culturel franco-nigérien de Niamey. Cette exposition rend hommage au photographe Philippe Gondjina en réunissant pour la première fois une sélection de 150 images, dont quelques inédites n'ayant jamais été exposées. Des détails dans ce reportage avec nos confrères du studio Kalangou. Nous avons aujourd'hui une présentation particulière à vous proposer, celle d'une exposition majeure consacrée à Philippe Gondjina, grand photographe bénino-nigérien qui, bien sûr, nous a quittés depuis un certain nombre d'années, mais dont l'héritage demeure ici à Niamey. Quand j'ai appris que Loïc avait les derniers négatifs qui n'avaient jamais été montrés, qui n'avaient jamais été numérisés, on s'est dit, voilà, il faut vraiment faire quelque chose. Et c'est en ça que cette expo est importante, parce que quand vous tapez sur Internet Philippe Gondjina, vous tombez toujours sur les mêmes images qu'on voit depuis très longtemps, qui sont d'ailleurs très belles, dont on a certaines ici, puisque la Revue Noire a accepté de nous prêter certaines images. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous allez quasiment une centaine de photos, dont 80% est complètement inédite. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Ils n'ont jamais été publiés. C'est ça qui fait l'intérêt de cette exposition. Et donc, il n'y a pas forcément de thématique, il y a plusieurs thématiques. Il y a la fête, les photos de vie quotidienne à Niamey, les stars, donc avec les photos, on les a déjà installées. Donc, il y a Claude François, Adamo qui passaient, qui venaient faire des concerts
concert dans les années 60-70 et Kujina les prenait en photo, bien évidemment. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de thématique, c'est plusieurs thématiques qui sont rassemblées dans une grande exposition qui est rétrospective. L'exposition sera visible ici sur les deux sites, donc dans la salle d'exposition du CCFN et dans la salle d'exposition temporaire du Musée National jusqu'au 30 décembre. Donc jusqu'à la fin de l'année, le public de Niamey peut découvrir les photos, peut-être reconnaître des gens, nous on appelle, hein, si vraiment des gens se reconnaissent sur les images, reconnaissent un grand-père, une grand-mère, un cousin, une cousine, il ne faut pas hésiter à prendre attache avec le CCFN parce que pour nous ce sont des témoignages qui sont forcément voilà, très, très importants, donc on pourra ensuite peut-être recueillir les témoignages, il ne faut pas hésiter à prendre attache en fait ici. Du sport dans cette édition, le sélectionneur du MENA national Jean-Michel Cavalli a animé ce matin une conférence de presse au siège de la FENIFOOT. Objectif, s'entretenir avec les journalistes sportifs sur les préparatifs du 11 national pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021. Cheikh Bouguissou et Ibrahim Tikiré, très bonne réception à vous. Contre l'Éthiopie, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021, le sélectionneur national du MENA, le français Jean-Michel Cavalli, a dévoilé la liste des joueurs présélectionnés. Un groupe composé comme suit. Nous allons commencer par les gardiens de but qui sont 4 en nombre, à savoir Kassali Daouda, Oumarou Razak, Alzouma Moussa et Issaka Dankoussou Omarou. En ce qui concerne les défenseurs, ils sont en nombre de 7. Nasser Garba, Abdul Razak Seni, Hervé Luboui, Abdul Karim Mamoudou, Ismaël Issaka, Abdulaziz Ourba, Zachary Souleyman. 9 milieux de terrain. Ousmane Diabaté, Moumouni Darankoum, Fabrice Yao Kan, Boubacar Talatou, Youssouf Alio Oumarou, Ali Mohamed, Issa Salou, Youssif Daouda et Daniel Alou Songol. Au niveau des attaquants, ils seront 11. Issa Djibrila, Soumana Aïnikoui, Abdulaziz Ibrahim, Boubacar Marou, Modibo Sidibé, Kairou Al-Mustapha, Sebou Koueta, Moutari Amadou, Adamou Moussa Issa, Mohamed Vonkoy et enfin Abdul Karim Tini Sanda. Répondant aux questions des journalistes sportifs ayant trait à la présence ou à l'absence de certains joueurs, le cas de Zachary Adebayor, dont le nom ne figure pas sur la liste, a été bien expliqué par Cavalli. Il faut que les gens le sachent. Adebayor n'a pas été éliminé, loin de là. Sauf que contractuellement, il a signé dans un club professionnel, qui est régi sous une législation, qui est sous tutelle, leur fédération est sous tutelle de la FIFA, de leur fédération et de la FIFA, de l'UEFA avant et de la FIFA. Aujourd'hui, ce garçon n'est pas rentré, n'a pas réintégré son club. Ça, déjà, c'est une faute professionnelle.
la fédération, c'est pas un club. C'est le porte-drapeau d'un pays. On se doit d'avoir une identité. On se doit d'avoir une ligne de conduite. On se doit d'avoir un respect et des valeurs. Et la dernière chose qui peut être cruciale, c'est que, admettons que le club dépose une requête auprès de la FIFA contre ce joueur et que nous on le fasse jouer. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? On peut avoir un match perdu. Sur les chances du MENA pour une qualification à la CAN, le technicien français promet une transformation du MENA national dans les mois à venir. Logé dans la poule K, le MENA national a mal débuté les éliminatoires de la CAN 2021. Mais des victoires contre l'Éthiopie peuvent relancer le MENA dans la course à un ticket pour les phases finales de la CAN 2021.